Good morgen, allez, Iden, messieurs, aujourd'hui le Nishmat Dov, Ben Yehudit, Eviatar Amram, Ben Chedva, Chaya Esther, Bat Miriam, Yitzhak Peretz, Ben Fortuna, si vous souhaitez vous aider d'une prochaine étude de Mishnah, contactez la communauté éternelle. Nous étudions Masechet Shabbat, Perekret, Mishnah Bet, Hamotzi, Hevel, Kedela Asot, Ozen, la Kupa, Gemi, Kedela Asot, Tlai, Lenapa, Veligvara, Rabbi Yoda Omer, Kedel Etol, Mimnu, Midat, Min'al, la Katan, Niyar, Kedel Ikhtov, Alav, Kesher, Mursin, והמוציא כשר מוכסין חייב, נייר מחוק כדי לכרוך על פי צלוחית קטנה של פליאטון. Un petit rappel du principe de la Mishnah, on va le revoir encore pour beaucoup de Mishnayot. Tout d'abord, tous les interdits de la Torah, pour la plupart, il y a des quantités requises pour transgresser l'interdit. Maintenant, pour transgresser l'interdit de porter à Shabbat, alors il y a aussi une quantité requise. De manière générale, la quantité requise, c'est la quantité minimale qu'il est déjà d'usage de veiller à la conserver. D'accord? Si vous restez un petit bout de chocolat à la maison, vous allez le manger, vous n'allez pas le mettre, le ranger quelque part. Et ainsi de suite, chaque chose, Maya, à partir du moment où vous allez avoir une quantité assez conséquente, vous allez dire, ah, ça peut servir, et dans ce cas-là, vous le gardez. Il est d'usage de le garder, chacun. Alors du coup, on est rentré dans des missions un petit peu, une certaine lourdeur, si je peux dire, si je peux oser parler comme ça du Mishnah, non, il ne faut pas oser parler comme ça du Mishnah. Il y a une certaine difficulté quand on utilise les Mishnah, c'est qu'on va prendre chaque élément selon ce qu'il était d'usage à l'époque de l'utiliser, d'accord? Du coup, on a découvert dans la Mishnah précédente, on a parlé des liquides, qu'est-ce qu'on pouvait faire avec des liquides, à part les boire, on pouvait les utiliser pour toutes sortes d'utilisations, donc à partir de quand? De quelle quantité assez conséquente il est d'usage de conserver cette quantité-là. Et on continue maintenant avec un motzi chevel, celui qui va sortir et qui va transporter dans la voie publique une corde. À partir de quelle taille de corde il va transgresser l'interdit de porter à Shabbat? Un petit bout de ficelle qui sert à rien? Non. Kedela sot ozen la kupa. Suffisamment de quoi faire une anse pour une boîte. Ouais, je sais pas comment il faisait exactement. Prenez une boîte et puis vous voulez lui fabriquer une poignée. Donc il va falloir utiliser le bout de corde que vous avez pour pouvoir le fixer, l'attacher, et voilà. D'accord? Ça va vous faire une certaine quantité. Maintenant, la Mishnah continue en disant « Gemi ». Alors « Gemi », littéralement, c'est traduit comme le « Goumi » en hébreu moderne. Et c'est un végétal. D'accord? C'est le « Gemi », c'est du caoutchouc, je ne sais pas exactement. Comment c'est? C'est quelque chose qui se mange? On le voit plusieurs fois, je ne sais pas exactement. Mais en tout cas, c'est un végétal qui est assez costaud pour en faire aussi des cordes. Mais cette fois-ci, la Mishnah me dit, tu sais quoi? Tu peux prendre une quantité encore plus, plus petite. Et malgré tout, on le garde pourquoi? Pour en faire qu'est la sotte tlaï lenapa, velegvara. Pour en faire un tlaï. Tlaï, c'est pas une poignée. Cette fois-ci, c'est plus pour pouvoir le suspendre. Lui faire une petite boucle comme ça pour pouvoir l'accrocher et le suspendre. À Napa, à un tamis, ou à Kvara, c'est aussi une autre forme de tamis qui a des trous plus épais, c'est plus pour les légumineuses, pour sélectionner, faire tomber les petites poussières ou les petits cailloux qui pourraient se mélanger avec les légumineuses. D'accord? Donc succinctement maintenant, on a déjà vu deux chiorim, attention, il y a une petite question en posant entre les deux, c'est que pour la corde, tu me dis, ah, il faut une grande quantité de quoi? De quoi pouvoir attraper une boîte, tirer une boîte avec. Pour le gemi, ce végétal-là qu'on peut faire aussi des cordes avec, on peut aussi l'utiliser. Cette fois-ci, tu me dis non, une quantité plus petite pour en faire une boucle sur un ustensile que je veux suspendre. C'est une quantité inférieure. Question, pourquoi avec la corde aussi, tu ne me disais pas que je pouvais, que la quantité requise aussi, c'est de quoi lui faire cette même boucle pour pouvoir suspendre le tamis, au même titre, pourquoi là-bas tu m'as donné une quantité plus grande? Et la réponse elle est que la corde elle est plus dure, plus rigide, et elle se fixe mal sur le tamis, sauf si tu vas commencer à casser le tamis. Ça risque de le. C'est trop fragile quoi, c'est d'accord? Du coup, la Mishnah elle me dit donc, pour la corde, il faut une quantité plus grande par rapport aux boîtes, pour le gemiv, une quantité inférieure, de quoi faire la boucle, comme ce qu'on a dit. Rabbi Oda Omer, Rabbi Oda nous dit non, le gemiv, j'ai une autre utilisation. À lui laisser, qui va me permettre d'avoir une quantité encore, une taille encore plus petite, qui est Kedelitol Mimeno Midat Min Al Lakatan. De quoi mesurer avec lui la taille d'une chaussure d'un petit. Ouais, c'est fréquent chez les mamans, bon, j'aime, qui
qui élèvent beaucoup d'enfants, quand elles veulent acheter des chaussures de qualité et tout ça, ils ont besoin d'avoir les tailles des enfants. Donc, il y en a qui dessinent les pieds sur des papiers. Eux, ils avaient quoi comme système? Ils prenaient un petit bout de corde, ils disaient, ah, il est fait quelques centimètres comme ça. Donc, du coup, ils partaient chez le. Quand ils passaient devant le magasin des chaussures, ils lui disaient, je veux une chaussure qui va pour où je vais pouvoir mettre un pied de cette taille-là. D'accord? Donc, ça, c'est l'utilisation que Rabbi a trouvé Rabbi Yehuda. Pourquoi quand même ils n'ont pas pensé à cette utilisation? C'est pas précisé. Je sais pas, c'est des mystérieux, on a du mal à comprendre où les choses vont, c'est quoi. En tout cas, on les traduit, comme ça, on. Niyar! Maintenant, on va passer à une autre série qui est le papier. Alors là, on va avoir trois utilisations différentes. Niyar, un papier de manière générale, un papier. Alors, c'est Kedir Tovalav Kesher Mursin. Il faut qu'il soit suffisamment grand pour que l'on puisse écrire dessus un Kesher Mursin. Je n'ai pas de mot quand traduire ce Kesher Mursin. Pourquoi ça s'appelle Kesher ceci? Kesher Mursin, Mohes. Le Mohes, c'est la douane. Donc, j'explique. Pour pouvoir passer d'une ville à l'autre, ou peu importe, il fallait traverser par exemple un fleuve, il y avait un poste de douane avant de rentrer sur le fleuve, sur le pont, et un autre poste de douane à la sortie. Alors, ça se passait comme ça. Quand il fallait que je paye donc les taxes, je payais les taxes à l'entrée, et en contrepartie, on me donne un ticket où il y a dedans écrit une lettre qu'il a payée. Alors, soit ils vont mettre, en général, ils mettaient deux lettres, qui étaient deux lettres un peu plus grandes que ce qu'on a l'habitude d'écrire sur un papier, deux lettres un peu plus grosses. Donc du coup, la quantité requise pour le niyar, pour le papier, c'est justement que l'on puisse tamponner dessus ou écrire dessus les fameuses lettres pour dire que A payé. Donc on va mettre deux lettres A, P ou quelque chose comme ça. D'accord? Ils avaient l'habitude de mettre deux lettres un peu plus grandes, comme ça le porte-monnaie explique. Donc ça c'est comme ça, et c'est grâce à ça qu'on va fixer la quantité requise. De même, la Mishnah me dit, tu sais, même si tu vas sortir un Kesher Mursin, je vous avais dit, je ne sais pas pourquoi ça s'appelle Kesher. D'abord, je finis ma phrase. La Moti Kesher Mursin, celui qui va transporter sur la République aussi le ticket avec les lettres qui sont déjà écrites dessus, aussi, il est Chayav, parce que c'est encore une utilisation, même si on ne peut plus écrire dessus, mais c'est en soi-même quelque chose qui a une importance. Vous allez me dire, quel est le chidouche de ça? C'est ainsi. Te dit le papier, s'il y a de quoi écrire un Kesher Morsin, le ticket de douane, eh bien t'es chayav. Alors plus fortement lorsque le ticket de douane il est déjà écrit. Tout ça, tu poses la question et il explique que non, ça c'est venu m'apprendre que même si le Kesher Morsin il était sur un klaf, sur un parchemin, que normalement l'utilisation du parchemin, comme on va l'avoir dans la prochaine Mishnah, ou la prochaine Mishnah, qu'on a une autre utilisation qui requiert une quantité de parchemin plus grande. Malgré tout, si on a déjà écrit le Kesher Mursin dessus, on s'en dira rien. Ok. Niyar Mahouk, un papier maintenant effacé. C'est-à-dire, jusqu'à maintenant, on avait vu, en fait, un papier où on avait écrit le Kesher Mursin, le ticket pour passer la douane, ou encore, on pouvait écrire un ticket pour passer la douane. Mais là, c'est un Niyar, un papier qui a été effacé. On ne peut plus rien écrire dessus, les lettres ne s'écrivent mal, on a du mal à lire. Du coup, il a perdu sa fonction d'être un bon papier pour écrire. Mais qu'est-ce qu'on peut faire encore avec du papier à part écrire? On peut l'utiliser pour couvrir des ustensiles. Et c'est exactement ce qu'on a trouvé comme utilisation, qui est Niyar Mahouk, un papier effacé, qui est Delikroch Alpitzlochit Ktana Shel Paliaton. Suffisamment de quoi envelopper un petit flocon de paliaton, de parfum. On l'avait vu là-haut avec les bijoux de la femme, on avait vu le Tzlochit Shel Paliaton. C'est le même principe. Donc le flocon, la femme, elle le met sur elle pour que ça diffuse de l'odeur. Lorsque ça finit de diffuser de l'odeur, il faut le couvrir. Qu'est-ce qu'on met pour le couvrir? Eh bien, on prenait un petit bout de papier qui était un niyar mahouk, et il fallait donc qu'il soit suffisant pour pouvoir envelopper la secrétion de la femme. D'accord? Le petit flocon de parfum. Et c'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une journée pleine d'attention.